Bonjour. La ville actuelle de Briançon s'est développée sur un aplomb dominant la Durance, sur un carrefour de vallées étroites, ceinturées de montagnes, laissant assez peu de place aux cultures. La cité antique était déjà une étape importante dans la traversée des Alpes par la route du Mont-Genèvre, alors la plus fréquentée. La ville est citée par Strabon et par Ammien Marcellin. Le premier espace d'habitation était à peu près situé au nord de la vieille ville actuelle, au pied du massif de la Croix-Tolosan. Nous avons en effet découvert un établissement de bains, des restes de nécropoles et d'habitats. Plus dans la vallée, nous voyons un amphithéâtre de 100 mètres dans sa plus grande longueur, et nous estimons qu'il pouvait contenir jusqu'à 4000 places. La ville a été christianisée de façon assez primitive et nous voyons une église qui s'est installée dans une zone habitée, mais à un endroit qui n'est pas tout à fait sûr. Au IIIe siècle, les crises, les invasions et l'instabilité entraînent l'abandon du théâtre. La muraille est sans doute mise en place autour des hauteurs à cette époque-là, et peut-être que la population se déplace et suit la muraille. Au Moyen Âge, l'habitat antique disparaît. L'église primitive est sans doute encore utilisée ou transformée. Briançon devient un bourg dépeuplé. L'enceinte romaine tombe en ruine et seule la citadelle a pu subsister, mais nous avons très peu d'informations. Au XIe siècle, les comtes d'Albon, qu'on appellera à partir du XIIIe siècle les dauphins de Viennois, obtiennent de l'empereur germanique la suzeraineté sur le Briançonnais. En 1040, le comte Guigues fait don comme douaire à son épouse, je cite, le bourg de Briançon avec son territoire. Au XIIe siècle, par un patient jeu de rachat de terres et de donations, les comtes d'Albon finissent par contrôler toute la région sur le plan féodal et foncier. Ils ont les péages, les corvées, l'exercice de la justice et le droit de battre monnaie dans le Briançonnais. Les dauphins séjournent régulièrement à Briançon et mentionnent la ville souvent dans leurs actes. Mais seule la partie habitée ne comprend jusqu'au XIIe siècle, la partie habitée finalement se limite à la citadelle, généralement confiée par le dauphin à un homme de la noblesse locale, chargé de la fiscalité, de la levée des troupes et de la basse justice dans la ville. Le château était doté au XIVe siècle d'une enceinte, d'un donjon carré de 24 mètres de hauteur, d'une basse-cour, d'une chapelle et d'une grande salle de justice. Les dauphins s'appuient sur ce fortin et sa garnison pour renforcer leur présence dans les vallées voisines. Jusqu'au XIIIe siècle, aucune source ne mentionne le bourg situé au pied de la citadelle. Il faut attendre 1228 pour deviner dans un testament l'existence d'habitations vers le bas. Une hypothèse a été faite sur la formation de ce bourg. Le développement du commerce et la situation de paix engendrée par la présence du dauphin auraient poussé le dauphin, le comte d'Albon, à constituer ex nihilo une ville nouvelle vers la fin du XIIe siècle, avec un plan quasi orthogonal, stabilisant ainsi les marchands attirés par les trafics alpins. D'ailleurs, en 1244, le dauphin Guigues VIII octroya des libertés à tous ceux qui voudraient s'installer, je cite, dans le bourg de Briançon, leur autorisant à former sur place des ligues commerciales. Le problème majeur était la situation excentrée de la seule église paroissiale Sainte-Marie, avant la construction de la collégiale. Elle était située en dehors du bourg et de la citadelle, situation qui obligeait les fidèles à sortir de la ville pour les célébrations et à monter la pente raide, ce dont se plaignaient d'ailleurs les chanoines. Il n'y avait pas d'église à l'intérieur des murailles. Cette ville connut un grand succès économique au XIVe siècle, puisqu'elle devint une étape commerciale majeure entre l'Italie, le comtat venaissin et la Provence. Une grande foire annuelle internationale de bétail se tenait en septembre pendant plusieurs jours, et tous les troupeaux ovins des montagnes s'y rassemblaient, venaient des acheteurs de Provence, d'Italie, et les bouchers de Gênes notamment s'approvisionnaient à Briançon. Nous voyons d'ailleurs dans les trésors monétaires des monnaies venues de toutes les provinces voisines. Au niveau démographique, avant la peste noire, le bourg compte à peu près 2000 habitants, sans compter les environs. La ville se développe encore, la ville basse, se développe encore au XIVe siècle. Elle est protégée désormais par un mur d'enceinte de 10 tours et percée de 3 portes. 3 rues méridiennes, coupées de quelques traverses, constituaient un plan en damier. L'axe principal de la cité était la grande rue, jalonnée de 3 fontaines et creusée de la grande gargouille, dont l'eau fut détournée au milieu du XIVe siècle de la Guisane pour assurer l'eau potable et la lutte contre les incendies dans la ville. Les habitations occupaient tout l'intérieur des murs, mais la densité était faible car les maisons comptaient en général un ou deux étages et avaient tout un jardinet ou une cour à l'arrière.
Au centre, dans le quartier des marchands, les habitants avaient établi un grenier communal, une maison consulaire et de grandes halles au grain. À l'est, le son du cerf était une tourelle pour sonner le tocsin en cas d'alerte. Au sud, dans le quartier du Temple, se situait une commanderie des Templiers et un hôpital. Au nord, la maison du poids était une demeure du dauphin où l'on exposait les étalons de mesure en vigueur dans la ville. Quelques banquiers lombards et très peu de juifs faisaient du prêt dans la tour des Lombards au centre. Le développement du bourg explique le débordement des maisons hors des murailles vers le nord, vers la porte Méhane et sur le bord des pentes de la citadelle. Mais à la fin du XIVe siècle, la ville entra en crise. La période fut douloureuse jusqu'au XVe siècle. La ville dut subir la peste noire, les troubles dus aux guerres entre la Savoie et le Dauphiné, et les pillages des bandes de routiers de la guerre de Cent Ans. Cette situation explique la perte des deux tiers de la population et la réparation des murailles en 1370, qui fit peser sur les finances de la ville d'énormes charges. La seule construction notable à cette époque fut vers 1390, l'installation dans le quartier de la Roche, au sud, du couvent des Cordeliers avec 25 frères, un vaste ensemble de bâtiments conventuels qui exigea d'abattre d'ailleurs 35 maisons et qui comportait une grange, des jardins et un cimetière. L'église sobre des Cordeliers à l'extérieur était entièrement recouverte à l'intérieur de peintures édifiantes, comme les franciscains avaient l'habitude de le faire, comme nous l'avons vu, à Embrun. À très bientôt.